Pour que l'utilisation de l'azimut de sécurité soit facilitée, l'enseignant doit se positionner judicieusement sur le terrain. Sur cet exemple, de par son emplacement central et éloigné de toute ligne nette, on voit que l'emplacement de l'enseignant ne permettra pas un retour simple grâce à l'azimut de sécurité. En effet, la direction à donner en début de séance dépendrait de la zone où se situe l'élève, ce qui n'est pas facilitant. Puis, même si l'élève sait dans quelle zone il est égaré, il ne retrouvera pas forcément l'enseignant. L'enseignant veillera donc à choisir un emplacement proche d'un élément très remarquable.